Nous allons vous présenter les vraies histoires de l'art imaginées par Sylvain Coissard et Alexis Lemoine. Tableau de Gustave Courbet, titre Le Désespéré en 1841. Pourquoi cet homme a l'air si affolé? Il a perdu ses clés dans les égouts? Il a peut-être fait tomber son téléphone dans les toilettes? Non, rien de tout ça, juste qu'il est devant son ordi et qu'un virus l'a contaminé. Tableau de Giuseppe Arcimboldo, L'eau, en 1566. D'où vient cet homme? D'une planète inconnue? Il a peut-être tenté de faire la cuisine pour la première fois de sa vie. Non, rien de tout ça. Il était juste en train de pêcher et une vague lui arrive en pleine tête. Paul Delaroche, titre Napoléon à Fontainebleau. En 1840. Pourquoi cet homme est déprimé? Tu as une idée, toi? Peut-être que sa femme l'a quitté. Ou alors il a perdu toutes ses richesses. Pas du tout. L'Italie a gagné 1-0 contre la France. Tableau de Giuseppe Arcimboldo, Le Feu, 1566. Encore un homme bizarre? Il revient du soleil? Peut-être qu'il s'est amusé avec un briquet? Non, rien de tout ça. Il y a un dragon qui lui a craché du feu sur la tête. Edvard Munch, Le Cri, en 1893. Pourquoi cet homme est si affolé? T'as une idée? Son copain a peut-être balancé son chat par-dessus bord. Une voiture lui arrive dessus? Pas du tout. Sa perruque s'est envolée et elle est tombée dans la mer. Auguste Renoir, Le Déjeuner des canotiers, en 1881. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Tu as une idée, toi? Peut-être que les autres restaurants sont fermés le dimanche? Non, pas du tout. C'est juste que l'happy hour a commencé. Edgar Degas, L'Absinthe, 1875 et 1876. Pourquoi cette dame est si déprimée? T'as une idée? Peut-être qu'elle a mangé son chat et qu'elle a du mal à le digérer. N'importe quoi. C'est qu'elle a bu un peu trop de champagne. Et voici sa note. Note. Beaucoup de champagne. Total, 1010 euros. Merci et à bientôt. Domenico Ghirlandaio, Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon, 1490. Pourquoi cet homme a un nez si bizarre? Peut-être qu'il a la varicelle du nez. Peut-être qu'il s'est cogné dans un mur. Non, c'est juste que son petit-fils lui a mis un coup dans le nez. Tableau de Jacques-Louis David. Titre Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard en 1800. Pourquoi Bonaparte va-t-il si vite? Peut-être que des ennemis l'attaquent par derrière. Ou par devant. Non, c'est juste qu'il a cherché un hôtel et qu'il a vu ce panneau. Tableau de Vincent van Gogh. La chambre en 1889. Pourquoi ma chambre est-elle si bien rangée? T'en penses quoi? Peut-être que ton chien a rangé. Ce serait un peu bizarre. Peut-être que la tornade du rangement est passée. N'importe quoi. Non, pas du tout. C'est juste que ma mère m'a envoyé ce SMS et que j'ai dû ranger. Finalement, on rentre aujourd'hui. Bisous, maman. Nous avons présenté beaucoup d'œuvres, mais il en reste encore beaucoup à découvrir. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au CDI.